Alors, nous allons voir comment intégrer dans le cahier de texte d'École Directe une vidéo YouTube de façon à ce qu'elle puisse s'afficher pour les élèves. On va commencer à créer un devoir et ici on va cliquer sur l'onglet qui s'appelle Sources. Voilà. Ensuite, on va aller sur la vidéo YouTube et ici dans Partager, on va choisir le bouton Intégrer, ici. Ensuite, on va copier-coller le lien. Donc, copier, et lorsque l'on revient sur École Directe, on va tout simplement coller le lien. À partir de là, si je rappuie sur source, cela est nécessaire, la vidéo va s'afficher. On n'aura plus qu'à ensuite écrire un texte, avant ou après d'ailleurs, hein, peu importe. On peut d'ailleurs même faire le texte après. Consulter la vidéo suivante. Alors, il faut faire attention parce que lorsqu'on fait ça, il arrive que sur les téléphones, et beaucoup d'élèves consultent École Directe sur leur téléphone, la vidéo n'apparaisse pas. Donc il est nécessaire de mettre également le lien de la vidéo normal et cliquable. Donc c'est-à-dire qu'ici je vais faire copier, là je vais coller le lien, et je vais faire attention à ce que ce lien soit actif. Pour cela, je vais cliquer sur l'agrafe ici, voilà, et là je vais pouvoir coller. Et comme ça, le lien devient actif. C'est-à-dire que quand l'élève va cliquer dessus, il sera amené sur la vidéo. Et ça, c'est important parce que comme ça, on s'adresse aux élèves qui vont consulter sur ordinateur et aux élèves qui vont consulter sur téléphone. Alors, cette astuce fonctionne aussi pour n'importe quelle application capable de créer ce qu'on appelle un code HTML. Si par exemple, je prends le site Learning Apps, qui est un site d'activité et d'exercice, et que je souhaite que les élèves puissent jouer ce jeu, je peux prendre ici le terme intégrer, voyez, faire un copier-coller, et dans École Directe, à nouveau, venir faire source, coller ici le lien, et va apparaître, voilà, le jeu que je viens de coller. Voilà. Donc ils auront à la fois la vidéo et le jeu. Alors là, je ne sais pas pourquoi la vidéo a disparu, mais elle reviendra sûrement. Et pareil, je pense à mettre le lien activité, par exemple, d'entraînement. Hop, je pense à mettre le lien au cas où les élèves sur téléphone ne voient pas s'afficher le jeu. Donc là, ici, pareil, lien hypertexte, copier, et je vais ensuite le coller ici. En le rendant, si possible, c'est quand même mieux, en le rendant actif. Donc là, je le sélectionne, agrafe, et je colle le lien. Voilà. Et comme ça, côté élève, eh bien, il aura la possibilité d'accéder aux ressources et donc éventuellement qu'elles s'intègrent directement dans École Directe.